Le docteur Bach était médecin homéopathe au début du XXe siècle. Enfant, il assouvit son amour pour la nature. Il savait instinctivement que sa destinée serait d'aider les autres. Il pense qu'il est plus important de connaître la personnalité profonde de l'individu que la maladie dont il souffre. Il cherche des remèdes qui aillent plus loin que la simple disparition des symptômes. Marche, arpente les prairies et développe ainsi l'intuition de l'apport subtil des plantes qu'il récolte. Il constate également l'effet sur la psyché humaine et l'équilibre émotionnel, car pour lui, derrière toute maladie, se cachent souvent des problèmes émotionnels ou mentaux. Ce fut pour le docteur Bach le travail de toute une vie, qui lui fit découvrir les 38 fleurs qui correspondent toutes à autant d'états émotionnels précis.